Eh bien, parce qu'à l'époque où on a abordé la thématique de cette année, c'est donc il y a un an, ChatGPT en était d'une certaine manière à ses débuts. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'en l'espace d'une toute petite année, ce qu'on envisageait être un cas prospectif comme les années précédentes est devenu pratiquement un cas réel dans le fonctionnement des administrations. Alors, de différentes façons, dans les contenus des enseignements, on a ces dernières années intégré de plus en plus de modules qui portent sur ces questions, la transformation des professions du droit sous l'effet des nouvelles technologies, la protection des données personnelles, l'intelligence artificielle en effet. Et ces derniers temps, on a une réflexion, comme d'autres établissements aussi, sur l'usage de ces outils en fait dans nos enseignements. On se questionne davantage sur l'utilisation par les étudiants des outils technologiques, et notamment des IA génératives dans la production éventuelle de leurs travaux. Donc il y a des réflexions sur la place aussi de l'IA dans l'enseignement, côté enseignant et côté étudiant. Ça a été un long processus, donc on a été accompagné tout du long par les vrais magistrats pour le coup, qui nous ont vraiment bien aiguillés dans tout le processus de décision, d'étude des différents mémoires. Et donc c'était vraiment une expérience hyper enrichissante, juste de savoir comment est-ce qu'une vraie décision de justice se construit, et aussi comment est-ce qu'on organise le travail entre différents juges, les interactions avec le rapporteur public et les juges assesseurs, la présidente.